syndicat des eaux regroupe 9 communes du golfe de Saint-Tropez et il a la charge d'alimenter ces 9 communes en eau potable. Oh, c'est un très très vieux syndicat, il a été créé en 1930, alors au début il n'y avait pas 9 communes, il n'y avait que 3 communes, mais ça montre que c'était déjà une vieille préoccupation pour les communes de disposer d'eau, qu'elles avaient besoin de se mettre ensemble pour pouvoir mobiliser et gérer des ressources. L'intérêt de ce barrage aussi, c'est qu'il permet de recueillir l'eau en hiver, la période pluvieuse dans notre région, pour pouvoir la déstocker, la distribuer en période estivale où les besoins sont multipliés par 5. Donc à côté, on a d'autres petites ressources locales qui sont des nappes alluviales, mais qu'on essaie d'exploiter avec parcimonie pour éviter les remontées de sel, puisque c'est des nappes littorales. Et puis on a une ressource extérieure qui est très importante aussi, c'est l'eau du Verdon qui est amenée par les ouvrages du canal de Provence. Et là, on est ici, sur ce site, sur une des principales ressources de notre syndicat, le barrage de la Verne, donc, qui peut stocker 8 millions de mètres cubes et qui permet d'alimenter, en tout cas de satisfaire les 3/4 des besoins annuels de ces 9 communes. Donc ces 9 communes sont le Rayol-Canadel, Cavalère, la Croix-Valmer, Ramatuel-Gassin-Saint-Tropez, Grimaud, Cogolin et le Plan de la Tour. Le syndicat approvisionne aussi en eau la commune de La Molle et la commune de Sainte-Maxime l'été. Nous sommes sur le site du barrage de la Verne, donc c'est un barrage qui a 20 ans cette année. Donc il a été construit dans les années 89-91. C'est un barrage poids, c'est-à-dire un barrage terre, avec un noyau en argile et après du micaschiste autour. Donc l'évacuateur de crue est l'un des deux ouvrages en béton. Donc il a été calculé pour évacuer une crue décamillénaire d'un débit de 400 m3 seconde. Donc il a été largement surdimensionné pour éviter qu'en contrebas, les habitants du village de La Molle n'aient aucun souci. Le deuxième ouvrage, c'est la tour de prise où nous nous trouvons actuellement. Donc en fait, il faut se représenter cette tour comme un énorme puits. Donc suivant la qualité de l'eau, suivant la hauteur de l'eau, on ouvre tel ou tel pertuis. L'eau va passer par le pertuis, tomber dans le puits et à l'aide d'une conduite va passer sous le barrage et aller jusqu'à l'usine de traitement de la Verne qui va ensuite rendre cette eau potable pour la distribuer. C'est vraiment un espace qui doit être préservé pour pérenniser la ressource en eau du barrage, mais aussi parce que c'est un espace naturel particulier, fragile. Au cours des nombreuses études qu'a pu réaliser le syndicat de la GISC sur les différents cours d'eau du bassin, on a étudié notamment la Verne à l'amont du barrage et on s'est rendu compte qu'au niveau de l'entomofaune, il y avait une richesse vraiment particulière. En fait, la Verne en amont du barrage conserve un régime temporaire, ce qui fait sa spécificité et ce qui fait aussi sa richesse. On a déterminé avec le concours de la Maison Régionale de l'Eau des insectes, notamment une perle, Radiopteryx Tienemani, qu'on ne rencontre uniquement que dans le Massif des Morts et sur quelques localités. Pour nous, c'est très important d'avoir une bonne connaissance de ce milieu, de son évolution, puisqu'on souhaite que la qualité de l'eau reste bonne. Alors on est effectivement sur un bassin versant sauvage où il n'y a pas d'activité anthropique, donc pas de risque de pollution par les activités humaines. Par contre, c'est un milieu qui évolue, qui reçoit de plus en plus d'apports du bassin versant. Et pour nous, c'est important de suivre de près l'évolution de cette qualité. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ces pêches qui font partie des campagnes de surveillance et de suivi de la qualité du milieu. Depuis 1991, on suit ce barrage et depuis 1991, on a un protocole spécifique sur les poissons, uniquement dans la zone du barrage lui-même avec la tour de prise, avec 3 zones qui sont échantillonnées toutes les années de la même façon, avec le même nombre de filets, le même type de filet. Cette année, la pêche a été particulièrement abondante. On a pris un grand nombre de poissons, principalement au niveau du déversoir et dans la baie. La zone de la tour de prise est toujours très pauvre en termes de résultats. C'est pour ça qu'on a rajouté un autre type de filet. En fin de compte, ici, on a plus de 30 mètres d'eau et on échantillonne une toute petite superficie et avec que 3 types de filets. Et comme il n'y a pas beaucoup de poissons, la question c'est est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons dans cette zone ou est-ce que notre effort de pêche ne permet pas de capturer ces poissons. C'est pour ça qu'on a rajouté un filet qu'on appelle un filet DCE, un filet de surface qui présente l'avantage d'être multi-mailles, c'est-à-dire d'avoir 11 types différents de mailles sur la longueur. Et on s'aperçoit qu'en utilisant ce type de filet, on a capturé énormément de poissons. C'est le démaillage qui est en cours à l'heure actuelle. Et donc c'est pas qu'il n'y a pas de poissons dans la tour de prise, c'est qu'ils circulent beaucoup et qu'il faudrait un effort plus important. Le filet DCE va petit à petit remplacer un peu les données ou venir les compléter. Pourquoi on a capturé beaucoup de poissons? Eh bien parce que depuis 3 ans, au printemps, la retenue est complètement pleine et quand on regarde autour de nous, on voit toute cette végétation qui se retrouve noyée lorsque le niveau de la retenue est à son maximum, ce qui permet d'apporter des supports de ponte végétaux aux poissons, les cyprinidés, mais aussi les perches. Généralement, ont besoin de ces supports de végétation pour pondre leurs œufs et pour que leur levain se développe. Donc depuis 3 ans, le niveau de la retenue pendant la période est très favorable à la reproduction et on commence à voir les résultats maintenant avec un grand nombre de poissons, beaucoup plus que les autres années. En gros, l'idée c'est d'échantillonner aussi bien les espèces qui vivent sur le fond que les espèces qui sont en plein eau. Là, on est un peu chez nous ici sur la Verne depuis qu'on y travaille. Et au-delà des relations entre prestataires et personnes qui commandent les études, on a développé un véritable partenariat avec le SIDECM qui va au-delà de la partie études de la Maison de l'Eau, mais qui va aussi en complément sur la partie pédagogique. Voilà, ici on est chez nous.